Johnny. Allez. Oh non. Il a freiné, il n'aurait pas dû freiner. Il a rangé son noir. C'est son noir qui veut dire mince. Tiens, voilà Christophe Solon. Il a tout donné. On ne peut même pas s'en plaindre parce qu'heureusement qu'il y a Christophe Solon qui veut essayer d'avoir la pole. Alors l'aura-t-il ou ne l'aura-t-il pas? Ah, il a tout donné. Hein. La Toyota a éclairé que du temps de prof. Kevin Jacquinet, moi je dis que toujours quand je dis le truc. Très bien qu'il se passe un truc. À Maurice. Stéphane Dréan. David Leferrand. Le pilote Diaco. Le pilote Diaco. Ah, il va vite. David Leferrand, il va vite. J'ai l'impression qu'il est moins vite. Il faut regarder les trous pour marquer le rouge. Il est plus vite par Paris. Eh oui, mais sa voiture est tellement belle qu'on a l'impression que c'est une voiture de salon. Qui ne fait pas d'erreur en plus, regardez. Elle est très... Au soleil, elle est super. Oui, bonjour. La peinture est tellement belle, la voiture est vraiment, elle est efficace, vraiment, très très bien peinte. Ouais, j'ai regardé hier, il avait un petit problème à l'arrière, décroché dans le virage, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et là, il s'envole. Marc Morin, il Stéphane Dréan. Ah là, il a pris le vibreur. David Leferrand, là il en a perdu. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est pas spectaculaire cette manche-là, disons. Voilà, il prend le tour joker. Oh, la quille. Voilà, c'est parce que Maurice domine. Extérieur. Victoire pour Marc Maurice. Et le meilleur temps, il partira en pole.